Ce quartier de la Ménardière et particulièrement ce carré vert mérite d'accueillir une manifestation comme celle-ci, d'autant plus que le film qui sera, je dirais, projeté, La famille Bélier, est un film excellent au plan familial et avec toutes les vertus que l'on connaît en termes d'enseignement, de rapport à l'autre, d'acceptation de la différence, de l'enthousiasme et de tout ce qui touche à l'envie de réussir et au pari de la jeunesse d'être demain ce qu'il a envie d'être. On partage un moment convivial entre amis et puis comme il fait beau, le cadre est sympa. Ça permet de mettre en valeur ce quartier qui est un peu moins mis en valeur. Donc, et puis c'est à côté de chez nous, donc c'est très bien. Oui. Jamais osé. Et là, l'occasion a fait le larron, donc nous, voilà, on est venus toutes les deux. Voilà. Profiter de ces moments justement de, je sais pas, de retrouvailles, de convivialité, donc oui, c'est important. C'est une bonne soirée. Notre ville nous propose énormément de manifestations. Si on ne vient pas, si on ne vient pas représenter tout ce qu'elle nous propose, eh bien à quoi bon? Donc non, c'est très important de montrer et de remercier la ville par notre présence. Avec mon collègue Fabrice Boigard, on a demandé à l'association de la Ménardière, qui est, disons, très bien structurée et qui fait déjà preuve de sécurité lorsqu'il s'agit de leur vie de grenier, on leur a demandé de faire la même chose ce soir et donc ils sont présents à toutes les issues. Donc je vous souhaite une belle, grande et merveilleuse soirée. Vous verrez sans doute que ce film vous apportera les larmes aux yeux, mais c'est combien important que de pouvoir rêver. Et de dire... Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez.